Mes questions pendant 2 minutes. Conte une anecdote. Dave Morcette. Dave qui? Je vais pas le sentir. C'est pas long. 2 minutes de quoi? Boy, c'est facile! 2 minutes de rudesse! Est-ce que t'es prêt pour tes 2 minutes? Je sais pas, là, mais on va essayer. On commence. Tu t'en vas en échappée, Brodeur ou Roberto Luongo? Les gars, ils écoutent pas. Martin m'a peut-être pas ça, mais probablement Martin Brodeur. Mais là, il commence à savoir mes moves un peu. Là, fait que quand on va en tir de barrage contre eux autres, j'essaie des nouvelles affaires, puis je suis plus capable de scorer parce que c'est... Il sait quel genre de fight que je fais conclu. Mais les deux sont très, très bons. C'est difficile à choisir. Bon, bonne réponse. La médaille d'or aux Jeux olympiques ou la Coupe Stanley? C'est à choisir entre les deux. La Coupe Stanley. Je peux rajouter un peu. La médaille d'or, c'est quelque chose qui est indescriptible. C'est incroyable de représenter ton pays puis ramener une médaille d'or. Surtout avec le monde, là, vraiment, qui sont là pour prendre pour l'équipe Canada. C'est quelque chose, mais la Coupe Stanley, c'est tout le rêve de joueur de hockey. Le meilleur joueur de centre avec qui tu as joué? J'en ai joué avec des bons, mais Peter Forsberg, c'est pas vraiment le joueur. Je veux pas, j'ai joué vraiment des saisons complètes avec lui. Aux Jeux olympiques, j'ai joué avec Joe Sakic, c'est qu'ils sont vraiment très, très comparables. Mais jouer une saison complète, j'ai joué avec Peter Forsberg, puis c'est avec lui que j'ai eu mes meilleures saisons. Je sais que jamais vous avez le temps entre les périodes, mais dans quelle ville sont les plus belles Ice Girls? Je sais pas, j'aimerais dire... Pau-Sainte-Belle. Hein, mais... Ouais. Moi, je te conseille pas de dire pas. Probablement Caroline. Caroline, non, t'as raison. Des fois, ça arrive que je regarde... Ça glace, puis il passe des fois par là. Tu vois, c'est bon. Simon, t'as passé à travers les 2 minutes. C'est bon. Ça a bien été. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.